Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez lu le titre, pour une vidéo un peu spéciale, parce que demain c'est la rentrée scolaire pour la plupart des adolescents ou enfants de France. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, parce qu'on va parler de plusieurs choses par rapport à la chaîne, et après et à la fin j'aurai un message à vous faire passer. Voilà. Par rapport à la chaîne, on va parler de ce que je vais faire, ce qu'il y aura prochainement, et ensuite des nouveautés, parce que oui, il y aura une nouveauté, j'espère que vous l'avez aimé, enfin peu importe. Donc on va commencer pour les actualités pour la chaîne. Alors, si je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de vidéos gaming en ce moment, même plus du tout. Eh bien, je sais que j'avais dit que j'en ferai plusieurs, notamment sur Star Trek Online ou Minecraft, mais je ne peux pas en fait, pour des raisons techniques. Parce que mon logiciel, je ne sais pas ce qu'il a, il a buggé. Il y a un problème avec l'enregistrement de Minecraft. Pour l'instant, j'ai testé. Après, là, j'ai pas vraiment testé, mais je pense que ça doit être le même problème. Après, je regarderai. Mais je dois aussi vous dire que justement, les vidéos gaming, si jamais ça marche sur Station Online, je n'en ferai pas beaucoup durant les mois de septembre et octobre. S'il y en aura, ce sera pendant les vacances. Parce que malheureusement je n'aurai pas le temps, parce que là je commence nouvelle année et voilà, ça va être un peu chargé. Bon, comme vous avez vu, il y a depuis quelques temps régulièrement des vidéos sur Lego Digital Designer. Voilà, ça y en a, parce que ça prend pas beaucoup de temps, parce que j'ai déjà fait les créations, donc voilà, j'ai juste à faire les vidéos. Et il y aura toujours des vidéos sur Lego Digital Designer, au moins minimum une toutes les semaines à peu près. Voilà, et les vidéos qui vont suivre sur Lego Digital Designer, ce seront des créations que vous m'avez demandé. Et vous êtes pas mal à en demander. Il y aura notamment par exemple Deep Space Nine, l'Enterprise F de Classe Odyssey, de celui de Star Trek Online. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je les ai vraiment pas en tête. Mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé plusieurs trucs. On m'a demandé l'oiseau de proie, par exemple, Romulané, du 23e siècle. Celui-là, je l'ai fait. Par contre, Romulané du 22e siècle, je ne l'ai pas fait. Je ne sais même pas comment je vais le faire. Enfin, voilà quoi. Enfin, plein de choses. Par contre, en ce qui concerne les passerelles ou les intérieurs de vaisseau, il va falloir patienter peut-être un mois ou deux encore. Parce que c'est plus long et puis ça nécessite beaucoup plus de pièces. C'est mon PC, c'est pas un PC prévu pour les jeux vidéo ou 3D du coup. Voilà, il rame un peu. Lorsque j'arrive aux alentours de 3 à 4 000 pièces. Donc voilà, il va falloir... Donc là, on m'a demandé à passer donc de la nouvelle génération. J'ai posé celle de génération entre-temps parce que c'est celle que j'avais commencé. Donc moi, j'avais pas... Voilà. Et en plus, j'avais prévu de faire les deux. Sinon, je prévois de faire tous les passages de tous les Enterprise. Quand vous l'avez sur la chaîne, pour cette de génération...
et de la série originale. Et bon, il y aura toutes les autres, je vous rassure, et toutes les versions. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai vu mon chat. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'elle fait. Peu importe. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais il y aura toujours des vidéos Lego Designer, ne vous en faites pas. Et donc, l'autre chose, c'est les nouveautés qu'il y aura sur la chaîne, ou les nouveautés. En fait, depuis un bon moment, je me suis lancé sur une sorte de projet de court-métrage. De court-métrage, en fait. D'effets spéciaux, en fait. Sur le thème Star Trek. Mais en fait, pas faire avec en 3D comme beaucoup le font, ce qui est vraiment très très bien fait, extrêmement bien fait. Mais j'ai envie de garder en fait la technique d'origine, à savoir, enfin qui est un petit peu perdue pour l'instant, mais à savoir filmer des maquettes. En fait, je vous explique. J'ai créé donc les constructions, j'ai plusieurs constructions que j'ai. Que j'ai présenté en vidéo, je les ai faites en vrai et je vais les filmer ou les photographier, faire le montage qu'il faut et je vais faire des scènes de film ou de série. Et là, le premier court-métrage qui sortira, ce sera pas tout de suite, ce sera sur un épisode de la nouvelle génération de la saison 2. Voilà, je vous donne cet indice. Et donc maintenant, c'est à vous de. C'est à vous. Voilà, je vous lance un défi. Dans les commentaires, vous me dites, vous me proposez un épisode. Voilà, vous laissez essayer de chercher ce pixel. Voilà. Et je ferai à peu près tous les effets spéciaux. Voilà. Enfin bon, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Il y aura une sorte de making-of pour montrer comment j'ai fait. Je me montrerai pas, je vous rassure. Donc voilà, c'était tout pour ça. Et maintenant, j'ai un message à vous faire passer. Donc, demain, c'est la rentrée pour la plupart des personnes. Et bah, ça peut être pour la plupart. C'est pas un moment de joie pour la plupart. Tout simplement parce que vous n'avez pas envie, ou alors vous êtes stressé un peu comme moi. Beaucoup. Eh bien, je veux dire une chose. Pardon, excusez-moi. J'avais pas vu que la batterie de PC était faible. Merci PC de m'avoir coupé. Bon, reprenons. Et donc, je sais que beaucoup d'entre vous, j'en connais, hein, qui n'aiment pas l'école et tout ça, ni le système. Moi non plus, j'aime pas trop le système actuel. Je préférerais mieux, mais bon, on est obligé de vivre comme ça, mais malheureusement, le temps que ça change. Et donc, je vais vous dire une chose. Moi, j'arrive en première. La première, c'est une année primordiale pour la suite, pour la fac ou la prépa ou tout ce qui va suivre, parce qu'ils prennent sur dossier. Et je vais vous dire une chose, et ça, c'est valable pour toutes les classes, absolument toutes les classes. Il faut, même si vous n'avez pas vraiment envie, mais il faut vous donner, il faut que vous essayiez au moins de bien travailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est important si vous voulez faire ce que vous souhaitez faire plus tard. C'est vraiment très important il faut savoir que ce que vous faites plus tôt va avoir une influence plus tard. Il faut pas que vous soyez inactif, au contraire, il faut que vous soyez actif, même si vous n'aimez pas trop. Par exemple, cette année j'étais en seconde, j'avais des cours de sciences et d'économie et sociale, j'aimais pas du tout ça, et pourtant ben, j'ai essayé de participer, de parler,
d'interagir avec les professeurs et les autres. Voilà, et l'année s'est très très bien passée. Voilà, je n'ai pas eu de super notes, mais au moins j'ai participé. Et ça, il faut que vous sachiez que pour les professeurs et votre bilan scolaire, c'est très important de savoir que vous êtes actif en cours. Je sais que ça peut paraître difficile de se porter volontaire pour parler ou quoi que ce soit d'autre, mais il faut au moins essayer. Moi, ça a été très difficile, mais j'ai essayé et ça a marché. Et même si vous avez des professeurs que vous n'aimez pas trop, ben, il faut faire avec, malheureusement, parce que voilà, ben, vous êtes obligé, malheureusement. Je veux dire, vous pouvez pas changer de professeur, donc parce que si jamais vous le provoquez, ça peut avoir de graves répercussions. Et je déconseille de faire ce genre de choses. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Et ben, donc, ce que je vous conseille en tout cas, c'est vraiment de travailler comme il le faut, d'avoir, parce que je vous dis, les notes, moi je m'en fiche. Les notes, ça reflète pas vraiment le travail, c'est plutôt les compétences. Mais je veux dire, si vous n'avez pas vraiment de mauvaises notes et que le professeur voit que vous avez essayé, vous avez travaillé, et vous expliquez pourquoi vous n'avez pas eu de bonnes notes, ou voilà, eh bien, ça vous aidera. Croyez-moi, ça vous aidera énormément. Et surtout, durant chaque année scolaire, ayez d'excellents amis sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez passer de bons moments, vous détendre. Et partager des choses. Et aussi vous entraider pendant l'école ou pendant d'autres genres de situations. Voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Là, j'ai pas arrêté de penser pendant la nuit à ce que j'allais vous dire. Voilà, j'étais assez stressé aussi à faire ces vidéos. Je suis très stressé par rapport à... Voilà. À tout ça, ce qui va arriver, et donc je voulais vous le dire, et là ça me soulage un peu. Déjà hier, en fait, j'en ai parlé à mes parents, et ben voilà, ça m'a soulagé. Donc, si vous avez des problèmes comme ça, parlez-en, c'est vraiment très important. Croyez-moi, ça va vous vider un petit peu la conscience. Vous serez plus calme, plus tranquille, comme si vous aviez un poids sur le cœur qu'on vous enlevait. Voilà, la réplique habituelle. Mais parce que c'est vrai, parce que c'est vrai. Voilà. Et une dernière chose que je voulais vous dire, qui n'est pas en rapport avec l'écho et tout ça, je me demandais, j'avais pensé à peut-être, je sens que beaucoup d'entre vous vont me détester maintenant, monétiser mes vidéos. Ça va ajouter des pubs. De toute façon, il y a des pubs déjà, et c'est pas parce que je monétise. S'il y a des pubs, c'est tout simplement parce que il y a des droits d'auteur sur des vidéos, mais pas toutes. Et donc, c'est sur celle-là que je voudrais peut-être éventuellement les monétiser. Parce qu'en tout, j'ai 44 000 vues à peu près sur l'ensemble de mes vidéos. Et je me dis que je pourrais peut-être avoir un petit bénéfice. Voilà. Et je vous rassure, cet argent, si jamais je fais ça, l'argent ne servira pas du tout à m'acheter des trucs, voilà. Des trucs qui me feraient plaisir. Non, 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 non. Cet argent, ça va me servir pour mes études plus tard. Et ça aussi, je conseille d'économiser d'ailleurs. Pour vos études plus tard, parce que ça coûte hyper cher. Donc, il faut économiser. Moi, je sais pas trop économiser, mais j'essaie depuis quelques années. Voilà. Et aussi, donc, parce que je sais que YouTube, ça va pas m'en apporter beaucoup, si je le fais. C'est pour ça que justement en parallèle, je travaille pour mes parents. Donc voilà, je travaille et ben, je gagne de l'argent. Et je vais sûrement faire des travaux d'été. Travaux d'été, je sais pas comment on dit. Je suis un peu fatigué. Donc voilà. Et après, je sais pas quel âge il faut avoir pour monétiser. S'il faut 18 ans, c'est mort. C'est mort. Donc de toute façon. Peu importe. Et donc là, ah oui, je voulais vous dire aussi une chose. Je vous rappelais que donc la chaîne, elle va pas durer éternellement.
Enfin, la chaîne était toujours là, mais dire, j'ai pas. Il y a un moment, je vais arrêter de faire des vidéos. Simplement parce que je pourrais plus. J'aurais plus la motivation. Voilà, mais ça arrivera pas tout de suite, je vous rassure. Sûrement quand. À un moment. Je préfère pas vous dire lequel. En tout cas, je suis vraiment très content que vous soyez de plus en plus à me suivre. Je dis bien de plus en plus parce que je suis maintenant à 130 abonnés. J'aurais jamais cru atteindre ça. Je vous remercie encore. Et puis je vous remercie encore pour tous vos j'aime, tous vos commentaires. Parce que là, j'ai. Franchement, vos commentaires, ça fait chaud au cœur. Je suis toujours content quand je vois vos commentaires. Et puis aussi, y a des chaînes qui. Il y a une chaîne qui est similaire à la mienne, où une personne fait des constructions Lego, en vrai. Je vous la conseille. C'est un mec vraiment sympa. Et après, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je sais pas. Il est vraiment sympa, il fait de super créations. Pour ceux qui aiment Star Trek ou les voitures ou toutes sortes de choses, il les fait en vrai. Il monte les pièces, enfin voilà tout ça. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Donc son nom c'est Jerry Build, je crois. Je sais plus après. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Il y en a un autre que je vous conseille d'aller voir. C'est Killian C. C'est le nom de sa chaîne. Son pseudo c'est Prince Killer. Il est vraiment. Il est nouveau sur YouTube, c'est un de mes amis. Et donc il fait des vidéos vraiment pas mal. Il fait en ce moment beaucoup de live sur sa chaîne. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment pas mal. Ça lui ferait vraiment vraiment plaisir. Parce que voilà, il démarre sur YouTube. Mais il est un petit peu comme moi. Voilà, enfin moi je crois que j'ai fait pire en fait. Donc voilà. Voilà, je vous conseille d'aller voir. Si vous aimez les jeux vidéo sur mobile par exemple, je crois qu'il y a un jeu auquel il joue, c'est Peach, je suis pas sûr. Voilà, c'est un jeu que je ne connais pas trop, mais en tout cas, lui il adore et j'espère que vous pourrez peut-être adorer. Et donc, eh oui, et donc le lien de la chaîne est aussi dans sa description. Dans ma description. Voilà, la description de cette vidéo. Et donc, ouais, ça fait quand même 20 minutes presque de vidéo. Donc, eh bien, je vais vous dire encore, donc, bah, merci, merci. Bah, à la prochaine. Donc, prenez soin de vous. Et donc, ayez une excellente rentrée scolaire avec joie et motivation. Voilà, c'est tout ça. Et donc, bah, salut tout le monde!